travailler. Je veux travail. Non, en fait, le truc, c'est que je travaille. On a eu le permis. Ah oui, il a déjà du travail. En gros, il a demandé à mes doigts, tu vois. Alors, on venait de le rejoindre. Vous voyez, après, on voulait faire un petit tour avec ma bière, de lever mon nom. Après, je lui ai même dit pour trouver des trucs dans ce pays, tu vois. Ah bon, après, là, j'ai fait que t'as bien, monsieur. Vas-y, j'appelle la trompe. Vous voyez pas, c'est mon nom. Toi, on fait les dans la tête, ça fait mal au bras, là. Non, on fera ses consentiments. Central. On va pas s'enfuir. WM3, plaque 18406. La plaque, elle est belle, là. D'accord. Le véhicule de monsieur Nabil Toufik. Oh, en fait, oh, c'est un compte, ça va vous. Ok, ok. Donc, c'est quoi ici, comment vous cherchez du travail, après, c'est chanté par le BM. On s'est mis loin. Comment ça entre vous deux? Bah entre nous quoi, on peut parler quoi. Je sais pas si c'est moi qui me suis trompé, mais je vous montre à trois là. Trois quoi. Tu me montres le bon point, tu montres un grand mur quoi. C'est façon de dire quoi. Il faut être précis monsieur. La voiture de mon oncle et la vôtre. Vous êtes deux, vous êtes trois. Ça me t'a rien à voir, juste une fois. Vous cherchez plus de travail, monsieur déjà du travail. C'est bon, on va bien cracher, c'est bon, c'est bon. C'est pas grave, hein, monsieur, faut se le dire. Mais après, tu manques de moi, c'est chaud. Il faut apprendre, hein. Bah, arrête, vous êtes garçon, apparemment, vous avez quel âge, monsieur? Moi, j'ai 21 ans. 21 ans, ouais. Vous avez largement le temps pour apprendre, non? Ouais, mais tu sais, mais voilà, c'est toujours un peu. Enfin, je sais compter, mais j'ai pas tout le temps, en fait. Les quotidiens, j'arrive pas, mais les boulons, j'arrive, c'est bizarre. Par contre c'est bien écrit. C'est déjà pas mal hein. Ouais bah ouais, c'est beaucoup de théâtre moi. Mon livre, etc. Ah ouais. Bon bah c'est bien vite fait quoi. C'est pas pour visiter un bon théâtre, bon. Mais c'est quoi? De quoi? Je connais pas du tout mon livre. Vous connaissez quoi vous? Ah vous n'êtes pas mon livre. Alors je connais le personnage mais. Ah bah voilà, comme moi, quoi. Moi je connais pas dans les détails non plus, mais. Tu m'intéresses un peu à ces poèmes, mon vieux. Parce que je pouvais voir ces textes du théâtre, plutôt. Ok. Ces poèmes, c'est pour notre avis. Bon, vous êtes arrivé ici juste pour discuter, parce que ça roule trop vite sur les routes. Non, non. On est venu ici pour discuter, parce que ça roule trop vite sur les routes. T'es où sur la 2, il y a un véhicule 4. T'es où sur la 2, les gars, il y a un véhicule 4. Ici, on est tranquille, vous voyez. T'es où sur la 2, encore en CG. Donc, on attend le collègue, là, qui va se réveiller. Il vous faisait quoi, juste avant, là? Ah, ça va, pour ce milieu, mais moi, c'est qui, hein. C'est... Ah, bon, c'est lui, quoi. Comment on a fait que le boulot, hein? Donc, on est sorti, on a parlé à tout le monde, on se faisait des amis, voyons, on faisait un peu la sociabilité. On roulait, on comptait, voilà, vous voyez. Vous m'entendez? Affirme. Le véhicule appartient à Vladvinko. Ils sont en train d'arriver dans votre direction. Ils sont au niveau de la maison bleue. C'est très bon, d'ailleurs. Il y a un petit restaurant là. Il y a un petit. Ah, monsieur, par contre, je vais vous dire que je vais vous dire. Ouais, à manger. Ah non, apparemment, ils sont là pour acheter les domaines. Je vais faire un petit peu à boire, s'il vous plaît. Ouais, ici, là, c'est bon. Il y a par là. Ma clé. Du coup, mais si on voulait sortir, sinon, juste on peut s'asseoir là. Je prends les tailles. Je t'en passe la clé. Ouais, merci. Je te laisse une invitation. On a aussi moi. Nous, on est mort, on va arrêter de courir, c'est fou quoi. Ah bon, bah ramenez le vrai coupable alors. Non mais on a vu la scène, certes, mais on sait pas qui c'est qui a tiré, mais on a vu la scène, on est sur la scène, c'est normal gros. C'est une ville de ouf, je dis.
On est sous la scène directement. Ouais, mais c'est lui qui l'a tué. Bah alors aidez-nous à trouver le vrai coupable, si vous avez des détails. Allez-y, parlez. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez vu? Je vois. Oui. Mais enfin, je dis pas, c'est juste au garage en fait, demander quelques réparations, juste ça. Évidemment, je l'ai senti comme ça. Alors, mon côté, il a ressenti le mec, il dit quoi, ferme ta gueule, il bougeait, attends, il voit une arme, c'est un mec, le mec, il est fou, le mec, comme ça. Après, il y a l'autre qui a commencé à dégainer son arme, comme ça, tu vois. Il a commencé à me dire, ferme ta gueule, il te fout une balle, tu vois, comme ça, dire, tu vois. On a fait choper. Nous, on a fait une fois, on a dû aller sur sa chaîne France, on a regardé la scène, et le mec, après, il a commencé à tirer, on a rabattu le mec. Et puis, boum, ils sont partis après. Moi, je me. Moi, Berry. Bah, si ça aurait été vrai, pourquoi vous nous avez pas contacté de suite? Pourquoi pas contacter? Parce que tout simplement après, on va dire qu'on a directement quoi, on vous a dit directement quoi venir après. Et il y a un mec en plein milieu de la place, il dit ouais, c'est bon, j'ai contacté la police, j'ai contacté la gendarmerie. Donc, j'ai dit que le délai était prévenu, quoi. Effectivement, mais c'est pas vous qui avez prévenu. Il y a l'autre qui est pas prévenu, on va pas prévenir à 5 quand même. Il est à lui, le mec, il est à côté de lui. Et vous le connaissez, hein. Vous avez rien d'autre à dire, messieurs? Bah, on a toujours réagi, mais bon, bah, depuis tout à l'heure, on est là, on est même pas questionné. Auditeur, voilà. Vous êtes sûr de rien avoir à nous dire de plus, messieurs? Mais dire quoi de plus? Avec moi, si, il y avait une Mitsubishi qui s'est passée, moi, c'est dans ma VM. C'est eux qui sont tirés sur les mecs. Moi, j'ai vu la scène, ça se termine là. Basta. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec 4 armes sur vous, 2 armes charge. 4 armes, là j'ai 2 armes, c'est la seule arme de moi que je suis passionné. Oui, j'ai pas 2 plus 2, ça fait 4 en fait. Le principe est ça. Ouais, sauf que moi j'ai 2 armes, pour 4 tirs par arme déjà pour commencer, c'est celle de mon pote déjà pour commencer. Donc, je suis passionné et je vais. Oussama, justement, c'est lui. D'accord, donc Oussama, c'est la personne qui en a envoyé le message en disant. Non, c'est pas que c'est lui, moi. Il était mis en anonyme, donc c'est même pas que c'est lui, moi. Mais bon, le truc c'est que il y a beaucoup qui est en ce moment dans le truc. Bah, c'est pas moi, il faut que tu le. Mais du coup on est compris, oh putain ça va, c'est bon, c'est quoi? Trouvons des preuves là, c'est pour avoir, parce que mon pays j'ai tiré une seule balle. J'étais dans ma BM, j'ai vu la scène tout à l'heure. Les deux, les juges? De quoi? Ah, ouais. D'accord. Oh là là. Ok, bien, on soit attentif, hein, monsieur Garcia. Non, mais tout que là. Ouais. C'est problématique ça. Quoi, vous avez affaire, mais vous pouvez pas avoir 4 feux, quoi. Vous pouvez votre témoin là. Putain, oui, vous avez votre témoin. Enfin, c'est vous. Ah non, ça va pas. Bah, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, ça fait 4 heures qu'on est là. Ici, dis-toi, on a un témoin, c'est pas quoi, on a rien du tout, on a rien à faire. Depuis 4 heures, on est à menotter, quoi. Sérieux. Tu reconnais ou pas? T'es vu là, monsieur? Bah, non, pas vu là, monsieur, je suis un gentil monsieur, j'ai pas commenté, moi. Ouais, c'est le problème parce qu'en fait il me botaine à cause de moi parce qu'en fait j'ai vu un lapin, il était blessé et je l'ai soigné. Bon, ce qui est sûr c'est que le monsieur avec le bonnet, il était dans une Mitsubishi rouge et après il s'est retrouvé dans une boîte en brise. Trompez-le hein. Parce que moi je vous dis, moi j'ai vu la scène, c'est RP, moi j'étais avec mon collègue. J'ai pas tiré une fois, donc moi même votre collègue a dit qu'il y avait rien fait là. Ouais, vous m'expliquez pourquoi vous avez vous êtes armé comme pour aller faire la guerre? Ben monsieur, j'ai dit que j'étais passionné, que je faisais du tir. Même s'il avait 8 ans, il pouvait avoir 8 ans, mais s'il va faire 8 ans. Il peut rester dans sa maison, il peut mettre dans son jeu. Bah c'est ce que je vous dis, hein, monsieur, vous n'avez pas de preuves contre ça. Moi je suis passionné de lapin. Bah écoutez, si vous voulez être passionné de lapin. De lapin, sérieux? Bah écoutez,
si vous les avez là. J'en ai plein, j'ai des lapins de star, j'ai des lapins d'Apédie et tout, j'ai même des lapins qui savent taper de l'ordinateur. Non, je te le dis, un lapin secrétaire. Bah ouais, bah ouais. Et bah t'as un lapin au PJ. Vous savez bien les éduquer, hein. Ouais, c'est des années d'expérience, hein. Moi j'ai un Ouais, puis Matif, t'appelles le jeu parce qu'il me prend pour un imbécile ici. Bien sûr que non, moi je dis que vous avez fait, même vous m'avez pas vu, je me dis encore que c'est vous. Ah si. Moi vous m'avez fait quelque chose, moi. Parce que là. On vous était avec le d'un agent sans compter. Bien sûr que non, je suis comme un BMW Grise. Bah là, monsieur vient de dire que vous étiez avec. Je suis en train de me dire Moi j'étais en train de réparer mes deux roues arrière parce que je m'étais fait toucher par nos véhicules pour commencer. Vous m'avez vu, j'avais même fait du mytho pour vous êtes reparti. J'étais chez le garage, j'ai réparé mes deux roues, je suis revenu. Oui, bien sûr. Ah bien sûr que oui, c'est vrai. Parce que vraiment si vous avez une photo qui me fait dans la Mitsubishi blanc, le rouge, franchement. Eh y'a pas besoin de photo, t'as mon témoignage à moi. Ah oui, c'est vrai, vous vous racontez des bêtises, hein. Bon. Attendez là. Voilà, en plus on était parlant cause, votre avis. Bah ouais, la major s'est remontée qui dit des bêtises, c'est vrai. Mais non, mais non, mais après peut-être que vous avez vu quelqu'un d'autre, mais moi, tout cas, bah c'est pas on les emmène là-bas. Là, on va faire une balade dans le tribunal. Bah moi je vais vous dire. Par contre, on ira, mais bon, il va falloir sortir. C'est pas pour pas besoin, ça va me gaver, ça, franchement. Voilà. Je vous préviens, moi j'ai pas deux heures devant moi. Ah, c'est triste, moi je les ai. Bah ben moi je les ai pas. Ah, mais toi, je les donne si vous êtes. Non mais moi ce que j'ai dit, même moi il vient me dire qu'au début il me dit qu'il m'avait pas vu. Et après il s'est rendu dans un seul. Peut-être le calmer parce que j'ai pas dit que je l'ai pas vu. J'ai dit que... Quoi dans le véhicule, dans leur véhicule franco? Prends une photo puis faut rire. Attendez, sortez pas. Non mais c'est vous qui faites rendre l'exposé. Non, on va rendre le poème. Oui, le poème, vous allez pouvoir commencer. Bonjour. Alors juste avant de commencer, nous avons un petit poème que je me suis plus de vous rendre et qui va commencer. Allez-y, messieurs. Est-ce que je peux expliquer juste... Je vais vous laisser deux petits mots. Ouais, allez-y. Mais je fais un peu de silence. Je vous laisse, c'était sur quel sujet, monsieur Thomas? Sur le racisme et la ségrégation. Vous pouvez bien. Très bien. C'est en faire un poème. Oh, absolument. On vous écoute. Un peu de silence. Déposé a voulu frapper une de mes amitiés. J'ai donc décidé d'aller discuter pour lui demander pourquoi elle voulait l'agresser. Finalement, il a commencé à m'insulter. Je l'ai donc injurié. Mon père, j'ai péché. Ce poème m'a été imposé. Enfin, je l'ai négocié pour m'excuser. Pardon aux âmes perdues. Pardon aux futurs arrivés. Prenez mon exemple, arrêtons la soumission. Contrairement aux autres, accueillons-les comme le père les accueille au sein de notre paroisse. C'est très beau, bravo. T'as compris la relation avec la ségrégation raciale là. Oui, c'est vrai, par contre. Si, moi j'ai compris, je pense qu'une deuxième fois ne peut pas lui faire de mal. C'est vrai, oui. Oui, voilà, c'est pour ça que la ségrégation
très bien, mais bon, moi je vous parlais de la ségrégation raciale. Hein. Non, ça ira, messieurs, vous avez beaucoup de talent, mais je pense qu'on sera bien entendu. Oui. Ce que je veux dire. Écoutez, merci à vous. Nous allons pouvoir commencer. Monsieur le gendarme, merci de vous avoir exposé les faits à la barre. Ensuite, ne vous inquiétez pas, il y aura un super concours de mode. Hein. La barre. Oui, non, bah mettez-le, oui, laissez-le là, ok, très bien. Bonjour monsieur, c'est monsieur Hiro. Oui, oui, bonjour monsieur Hiro, votre lapin va bien? Poisson, peut-être qu'on de beauté, c'est moi. Je vous laisse exposer en vous mettant au pupitre et en parlant très fort, messieurs. Espèce de cardiste. Monsieur dame, bonjour. Bonjour. Je tiens à signaler devant tout le monde que je suis un agent de la loi, donc je suis assermenté, donc je ne peux pas dire de mensonge, d'accord? C'est vrai. C'est vrai, l'article 1 de la justice valdéloise. Hein. Alors, messieurs, on était en patrouille quand on nous a signalé le kidnappage, le kidnapping ou kidnappage, comment dire ça dépend, si vous aimez la nage, c'est un kidnappage, si vous aimez le big, les rigs. Bah, le tapinage, on va dire. Tapinage, oui, ça marche aussi. Non, pas le tapinage. Pas les deux tapis. Je sais pas, je pensais que c'était quelque chose avec de la taponade. Non, c'est pas de taponade. D'une personne très importante de la CIPEL, c'est-à-dire le PDG de l'entreprise de transport. Là. Comment c'est encore l'entreprise? Malten Transport. Voilà. Bien. Nous, directement, on a, mon équipe et moi-même, on a décidé d'intervenir très rapidement. Normal, c'est notre métier. Et de nous mettre à la poursuite d'une Mitsubishi rouge. Oui. Avec trois individus dedans et l'otage à l'intérieur, vous voyez? Très bien, oui. Okay. Une poursuite a eu lieu au niveau du port, juste où malheureusement notre véhicule de fonction a rencontré accidentellement un caillou qui a traversé la route. Oui, caillou traverseur de route. D'ailleurs, monsieur Morfuel, notez, il faut vite remédier à ces gros cailloux qui traversent les routes de manière insignifiante comme ça, et qui en plus ruinent tous nos efforts pour la justice en monopolisant l'attention de nos véhicules et en faisant des bisous à nos pare-chocs. C'est un harcèlement sexuel en premier lieu, et c'est totalement interdit via l'article 99 du Code civil. Tout à fait, j'ai vérifié. Je tiens à signaler parce que j'ai oublié. En plus, des cailloux de Daesh. Oui, oui, il faut faire très attention. Donc, je tiens quand même à signaler, parce que j'ai oublié de dire qu'on avait interpellé cette Mitsubishi rouge et qu'on leur avait demandé plusieurs fois de s'arrêter sur le côté d'eux et qu'ils sont débarrés en trompe, mais on a eu largement le temps de voir qui étaient les personnes. Hein. Okay, très bien, donc vous acquiescez que les personnes qui sont ici sont bien des personnes concernées. Monsieur le ministre. Tout à fait. Parfait. Donc, ensuite, qu'ils ont enlevé un travailleur. Ah, nous, à cause de cailloux, on a dû arrêter la poursuite pour réparer notre véhicule. Pendant ce temps, apparemment, je suppose là par contre que ces personnes ont changé de véhicule, ont pris une BMW gris. Nous les avons retrouvés en pleine fraude dans la montagne du port. Que vous dites ou pas? Solbakken qui les a trouvés. L'agent Solbakken qui les a trouvés. Moi j'ai 36 cas. Arrivez-vous. Bien. Bah, je suis dans une audience publique, car je veux bien que vous ayez les faveurs d'un certain ministre pour votre magnifique fessier, votre verbe, votre concordance buccale. Ce n'est pas une raison pour s'assoupir en plein procès de ne pas respecter M. Hiro. Pas fin. Excusez-moi, je dois avoir une petite pilule bleue là qui me tient éveillé parfois. Tenez, prenez ça, ça me tiendra éveillé. Allez-y, monsieur Hiro. Oui. Nous avons par la suite réussi à interpeller les personnes en Mitsubishi qui sont également en BMW, mais qui sont également cette personne-ci.
nous avons procédé à une fouille de ces personnes grâce à un agent de la PJ. On a remarqué que ces personnes, ils avaient l'impression qu'ils font la guerre au roi parce qu'ils ont tous les, ils avaient tous les deux armes avec déjà. Très bien. Ah, deux armes, deux poings, je sais pas pourquoi, avec une normalement il y a assez. Ils avaient deux armes et deux poings, oui, bah. Deux armes, deux poings. Oui, c'est ce que je dis, c'était dans la peut-être. Deux armes, deux poings, depuis qu'il y a bien mis. C'est possible. Ouais, peut-être. Juste, je vais rajouter une précision. Il y avait la troisième personne qu'on a arrêté qui était de prendre, qui était là-bas, hein, qui est assise là-bas, qui se trouvait être un otage. Bon. Voilà, en sachant que, après j'allais venir, après le témoignage du troisième individu qui est là-bas, on apprend qu'en fait il y a eu une autre fusillade au niveau du port, on a été signalé, et on apprend qu'en fait que ces personnes ont abattu une autre personne et embarqué son collègue. Oui, des multirécidivistes. Oui, très bien. Et pareil, les faits sont établis que ce sont ces personnes pour cette affaire. Écoutez, le monsieur les reconnaît fortement. Et il était avec eux quand on les a embarqués, vous voyez ce que je veux dire. Il a témoigné, après, normalement je pense pas que le monsieur a fait un peu de témoignage, il m'a l'air tout à fait honnête. Oui, très bien. C'est montré coopératif, contrairement aux deux personnes qui ont pris le droit de contredire mon témoignage. Je voudrais d'abord entendre du coup l'otage, à la barre, s'il vous plaît. Vas-y, monsieur. Si, attendez, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste essuyer vos pieds sur le public ? Merci beaucoup, allez-y, monsieur. Je t'ai expliqué quoi, monsieur ? Vous êtes fait prendre l'otage, non ? Oui. En fait, vous expliquez les faits. Depuis le début ? C'est passé votre version, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que. Au début, j'étais avec mon collègue, on était allé faire un trajet de pierre, parce que je suis dans l'entreprise de pierre, et on était à la direction du distributeur. Arrive au distributeur... Je mets juste une petite règle, car aujourd'hui, c'est la fête du bijou, et vous devez du coup ponctuer toutes vos phrases d'explication en tant que victime par le mot bijou, c'est essentiel, pour plus de crédit. C'est essentiel, hein, c'est la loi, monsieur. La loi est impartiale, je suis le juge de paix. D'accord, bijou. Parfait, allez-y, vous continuez. Donc, au distributeur, on a la personne avec la casquette qui nous a dit qu'on avait percuté sa voiture alors que on n'avait pas touché sa voiture. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé tous les deux à s'emporter. Les deux, enfin moi et ces personnes-là. Tout. Donc après on a commencé à se faire des menaces mutuellement. Voilà. On est allé derrière l'église à le port. Tout. Et ils ont commencé à sortir leurs armes. Donc mon collègue a sorti son arme aussi et s'est fait battre par une de ces personnes-là. Donc après, on a une équipe de gendarmes. Cher, rajoutez des bisous, hein. C'est pas votre débat. Oui, vous les rajoutez. Vous oubliez d'être des bisous, hein. Oui, sinon la plaque ne peut pas être débloquée. C'est essentiel. Donc, après, il y a une patrouille de gendarmerie qui est arrivée et qui a commencé à poursuivre la Mitsubishi dans laquelle j'étais dedans, bijou. Et à partir de ce moment-là, on a changé de véhicule. On est monté avec dans une BMW blanche sur une espèce de montagne. Tu dois pas la même. Si, c'est la vôtre. Hein. Ah, bijou. Elle est pas blanche. Et voilà. Et après, le gendarme est arrivé. Vous étiez maltraité par ces messieurs ? Non. Tout à fait. Et ensuite, est-ce qu'ils vous ont donné de la collation, je sais pas, du foutre de poney, une petite carotte, quelque rien chose. Rien du tout, bijou. Bon bah écoutez, vous pouvez retourner vous asseoir, nous allons maintenant parler aux accusés, n'est-ce pas, qui sont très accusés, j'ai l'impression.
On va commencer par lequel alors? Flou, ça sera toi qui plongera. Allez, on va prendre le monsieur là. C'est parti. Oh, vous par contre... menotté et tout, moi. Comment, pardon? Ah, tu vas rester menotté, moi? Oui. Bien sûr, oui. Vous par contre, menotté parce que les ordres dans votre sac. À chaque ponctuation de dire sa mère. Bien sûr, en respect à la mère de notre prince, décidé il y a quand même un certain temps. C'est également le jour de sa mort. Et donc, voilà. Chaque fin de phrase. Sa mère à chaque ponctuation. Oui, tout à fait. Ah, c'est faux, pour pas un femme. Allez-y, monsieur, expliquez. Sa mère, sa mère. Voilà. Sa mère, sa mère. Comment? Ah, d'accord. Ouais. Alors, tu commences pour le. C'est la vie du jour, sa mère. Et en fait, le monsieur là, bah, le monsieur là-bas et son copain, sa mère, ils avaient perdu mon véhicule, ils ont fait que sa mère, mais quand même, sa mère. Après, moi, je dis le plus gentiment, je parlais de mon véhicule, s'il vous plaît, sa mère. Oui. Pas sa mère à lui, mais voilà. Alors après, ils m'ont dit, ouais, non, vas-y, ferme ta gueule, tu commences à me saouler, sa mère. Après, yeah. Je dis, comment ça, tu me dis, ferme ta gueule, alors là, on va tout emporter, sa mère. Après, il m'a dit, ouais, attends, j'ai une arme, ça s'est buté, etc., comme ça, etc., sa mère. C'est compliqué quand même, sa mère. Non, mais je vous entends. Vous en sortez très bien, pour l'instant, déjà, votre peine est réduite de 3%. Hein. Ah, c'est très bien, effectivement. Après, j'ai commencé à taper, hein, on va pas se construire, sa mère. Après, son pote, il m'a dit, mais ma tête, dépêche-toi, je commence le but, à sa mère. Et alors, je lui ai fait ce de vouloir me buter avec 3 mètres de couloir armé, voilà, ça met. Donc, bien sûr, il a mis l'arme de poing, ça met. Après, son copain a pas envie de l'arme, ça met. Alors, mon copain a mis l'arme de poing. Son ami a lui a commencé à tirer pour nous, ça met. Alors, mon copain a répliqué, il a fait des chutes, ça met. Il a tiré sur sa mère ou c'était la ponctuation? Ah non, non, c'était la ponctuation, enfin, sa mère, c'est pas roulé. Ok, très bien. Voilà. Après, alors, la personne, bien sûr, qui était vivante, bah, on l'a pris comme ça, sa mère, on l'a fouillé, il a mis du cannabis sur lui. Voilà, nous, on a deux malins, on se dit comme ça, sinon on lui prend une arme. Après, on va la mettre dans le lit, hein, tu vois, sa mère. Alors après, juste pour lui poser son arme, pour lui poser trois questions, pourquoi il vient de tuer, etc., sa mère. La gendarmerie a dit lui, c'est un boom, etc., ouais, c'est pas fini, je sais pas quoi. J'ai même sa mère, j'ai même pas eu le temps d'aller à la gendarmerie. Attends, j'ai même peut-être 5 minutes d'aller à la gendarmerie, le film de 3 jours de menottes. Je ne sais pas, il faut que je l'aime. En gros, au final, c'est une vidéo comme ça, je pense qu'on n'a pas le temps de faire un déménage de mort, sa mère. Mais il vous souhaite des menaces de mort, enfin, qui est pas sur la tête. Ah, bah oui, son copain, il est mort, il m'a tiré en premier. Et moi, il m'a tiré dessus sur moi, et mon copain m'a défendu, ça m'a fait. Oui. Mais lui, il est pas mort, lui, il était menotté. Il y a quelqu'un de mort? Bah, oui, mais c'est monsieur à lui. C'est pas, il doit pas être mort, il doit être à l'hôpital. Ouais, mais il est mort. Bah, il après, c'est pas pour moi, il était mort, et le mec, il coulait du sang, sa mère, il dit, je comprends. Très bien, très bien. Très bien. Bon, très bien, on va écouter. Et au final, on n'a pas une gamme de plomb. C'est une grippe. Et moi, je n'ai jamais dans mes cibles, c'est vous. J'ai toujours été dans la grippe, justement, parce qu'il a pété mon véhicule et je vais déparer mon véhicule, je vais plus vous expliquer. Ah, juste ça. Donc, bon, pensez que c'est bien de faire justice soi-même. Mais c'est pas justement moi-même, je me crie dessus. Non, comment voulez-vous faire quelque chose? Je vous pose une vraie question. User was moved out of your channel. Ah non, mais pas du tout. Ok, très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Monsieur, oui, moi aussi j'ai été obligation je crois de larguer la bombe nucléaire parce qu'on m'avait acheté de ministre de situation. Mais non, mais le mec il me tirait dessus. Il a des mots pour moi-même, dans l'hôpital. Oui, c'est vrai. Bon monsieur, on va passer à votre collègue. Je veux des chaises musicales. Allez. Alors monsieur, vous, qu'est-ce que vous pensez des dessins animés des années 80? Ah, j'en ai pas regardé beaucoup. Vous avez quel âge vous? Ah bah moi j'ai 25 ans. Très bien. Très bien, je vais vous faire dire à chaque fois de phrase, en l'honneur du peluche récent que vous avez quitté, monsieur Kiki. Vous conclurez toutes vos fins de phrase par Kiki.
qui est le plus grand de tous les cris. Je sais que c'est un peu long, mais je suis sûr que vous avez de verbes fantastiques. Ça sent sur votre visage. Oui, oui, vous pourriez. Qui le prend de Kiki. Voilà, tout à fait. Donc je vous laisse expliquer les faits, monsieur. Bah, je sais pas si je vais devoir raconter toute l'histoire comme mon collègue a raconté. Est-ce que vous confirmez les faits? Je confirme qu'on s'est défendu. Tous les Kiki. Et qui le grand Kiki? En fait, le collègue et la personne qui est assise là-bas a ouvert le feu sur nous, de tous les Kiki, et on s'est défendu de tous les Kiki. Et vous êtes défendu? Donc, monsieur, là-bas au fond, est-ce que ce que relate ces messieurs est une réalité? Après, la communauté est assez loin de mon collègue, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu un coup de feu, puis j'ai vu un autre coup de feu et mon collègue à terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Très bien. Bon, moi je pense que cette histoire, n'est-ce pas, a une conclusion positive pour toute la population. C'est qu'il faut que cela s'aimer les uns les autres. Très important, car je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la guerre se bat, que des enfants actuellement meurent de faim, et qu'en plus, il y a des attaques sur des gens actuellement en Afrique, au Soudan, en Iran, et que nous sommes quand même bien lotis avec le beau costume en Ukraine. Beau chapeau, oui, en Ukraine, exactement, parce que vous avez raison, oui. Et donc je pense que ces messieurs ont surtout manqué de beaucoup d'enfants. Est-ce que vous pensez pas que vous manquez d'un gros canard, d'un gros poutou-poutou, d'amour? Ah bah si, peut-être. Et vous, monsieur? Ah, excusez-moi, monsieur, je suis pas venu, là. Et vous pensez pas que vous manquez de gros canard et d'un peu d'amour? C'est pour ça que ça vous fait faire des choses un peu révoltantes. Non, c'est pas pour ça. Moi, c'est pas pour ça. Moi, vous êtes con, dites oui, mon petit. Moi, je vous en manque un tout petit peu, mais voilà. Voilà, c'est tout ma femme, elle m'a largué. Et vous, monsieur? Oui, peut-être. Ça se sent, vous êtes un petit peu comme un enfant échoué au bord d'une plage qui n'aurait pas eu ses petits écrans de côté et qui serait totalement désemparé face à ces injustices. Le petit Grégory, il en a été échoué au fond de la plage aussi. Très bon plaisir, ça va être dur. Oui, là c'est pas vrai. Oui, c'est le blague au ballon. Il est très bon. <bonnes. rire> Ma blague est top. Qui a sorti ça avec la blague? Moi. Excusez-vous, monsieur, c'est quoi votre nom? Arthur. Bah écoutez, vous devez gagner 100 000 euros pour Blanc Présidentiel. Hein. Elle est élue au Président du Bois. Rappelez-moi votre nom. Arthur. Arthur. Sur vous pour le 50-50. Hein. Voilà, très bien. Ça, c'est pas votre choix. Vous voyez, les séances du tribunal sont souvent très récréatives, mais également très lucratives. Donc, messieurs, ce que je vais vous demander, on va faire un par un. Monsieur, alors déjà, par contre, bien entendu, en peine. Je vais aller délibérer, parce que je fais les choses un peu à l'envers, parce que mademoiselle Francesca me trompe terriblement, et qu'ayant une gaule à peu près de 30 cm dans mon calbut actuellement, je n'arrive pas à rester sérieux. Vous parlez de la canne à pêche? Oui, tout à fait, oui, je compte aller pêcher le lard. Nous allons délibérer dans ma pièce personnelle. Vous accompagner? Oui, bien sûr, également. Venez, messieurs. Nous revenons immédiatement, et si quelqu'un veut mettre une petite adaptère musicale basé sur la musique des années 80, sachez que j'en serai encore bien rendu. Voilà. Si vous avez la clé de musique et les kikis, ouais. C'est bien, hein. Et les kikis. En plus, le mec est coupable, là, je vais pas manger, excuse-moi. Je vais pas avoir un plat à manger, là. Un plat à manger? Oui, vous pourrez manger, oui. Attends. Voilà, manger. Je peux pas manger, c'est non. Voilà, un instant. Hein. Partirez. Ça.
Ah non. Vas-y, libère-le. Et frais endommagés qui ont été dédommagés maintenant. Voilà, tout à fait. Monsieur, je vais commencer par prendre l'identité du monsieur à la barre actuellement. Du bon petit poulet. Oui, 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 je m'appelle Thompson Nazarov. Thompson Nazarov, toi, il me semble, mon petit gars, que tu es un petit peu fauché. T'as pas beaucoup de sous. Bon, dernière nouvelle, on avait quand même un petit peu. 700. Ouais, ils sont tous grands les gens. Bazar. Comment ton petit nom toi? A, Z, A, F, O, E. Ils n'ont pas d'avocat. Très bien. Pourquoi je te trompe pas dans les registres? Oui, c'est vrai, je me suis trompé de personne, dis donc. Quelqu'un. 700 000. Donc vous, vous êtes condamné. Actuellement à bah on va prendre vos cucos hein, afin de pouvoir les brûler et s'en séparer hein, vous pouvez leur dire au revoir et lâcher votre arme. On va également vous prendre votre licence d'arme à vous deux monsieur pas, s'il vous plaît. Général et nous allons concéder pour vous monsieur la somme de 150 000 euros et pour vous monsieur la somme de 250 000 euros. Ah bon, pourquoi? Bon, justement j'y viens à vous êtes fait justice vous-même et outrage à agent. Mais est-ce que vous êtes au courant que c'est même pas moi qui ai tiré? Est-ce que vous êtes au courant que je suis juge de paix? Oui. N'hésitez pas à parler fort, hein. Très bien. Il y a le témoignage de policier qui se voit que pas mentir. Oui, non, je ne demande pas, je suis en train de rendre un jugement impartial. Je suis la justice, je suis impartial. Écoutez, ne demande pas. Il est assermenté, il n'a aucune raison de mentir. Ouais, bon, alors, vraiment. Pourquoi? Ne mettez pas en doute, sinon je vous remets un arbitrage en 200 000, c'est ce que vous voulez? Bah, non, je crois pas, non. Très bien. Et à côté de ça, messieurs, je vais vous demander, car il manque, nous sommes d'accord pour vous dire qu'il y a vraiment un grand manque d'amour et d'affection, donc je vais laisser les gendarmes récupérer les amendes immédiatement, et ensuite je vous donnerai pas une peine, mais une occasion, messieurs, de nous montrer que vous êtes avant tout des hommes de cœur. Nous allons voir si c'est le cas. Alors il y a ici 250 000. Et ici, 150. Bien. Moi, j'ai le Francesca. Vous avez moi là. Oui. Et bien sûr, vous n'êtes plus des dangers, mais si vous n'êtes pas des dangers, vous n'allez pas faire n'importe quoi, nous sommes d'accord. Pourquoi mon frère qui est parti? Ça, je n'ai pas la moindre idée, vous allez pouvoir la récupérer immédiatement, ils auront lâché. Ça fait du sac. Ah. Et là, vous avez déjà vu. Là, t'as un dossier dans la cour, tout là. Voilà, tu fais 5 ans devant lui. Ne vous inquiétez pas, vous allez dans ma voiture de l'homme, j'ai un petit casque, vous allez vous coller le sac à l'escalier. Vous en relâchez le monsieur s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc messieurs, je vais demander où les parties de la victime de se casser. Hiro, t'as bien retiré la licence, monsieur droite? Ah bien, monsieur la victime, venez vers moi, s'il vous plaît. Donc vu que vous avez tous manqué cruellement de tour, on va passer dans votre vie. Tu veux casser, tu vas le revivre. Je vais vous demander à tous les trois, on va commencer par monsieur. Excusez-moi de l'interrompre, vous pouvez juste deux fois péter ma sur la tête, vérifier qu'on a bien fait quelque chose. Non mais vous pouvez pas le faire après, monsieur Hiro. Bah c'est ultra important, hein. C'est ultra important, vous savez, hein. C'est pour votre sécurité. Hein. Ah, c'est vrai. C'est très bien, parfait. Donc monsieur, je vais commencer par vous, Lazarov. Il est très, très clair que vous manquez d'amour et que ce monsieur aussi, et c'est peut-être ce qui a fait qu'aujourd'hui vos chemins se sont croisés ouais, de voiture, afin de pouvoir satisfaire
des travaux, tout simplement. Vous comprenez? Vous allez prendre le monsieur dans vos bras et vous allez lui faire des câlins ainsi que des bisous. Je pas sur la joue, bien entendu. Moi je veux pas le petit homophobe, moi je veux pas. Allez, je veux entendre des bisous pour tout coup. Non, monsieur, moi je suis homophobe, je veux pas. Je suis homophobe, je veux pas. Allez, messieurs, des plats de bisous, des poutous, des canards, aimez-vous, mon famille de la cour, viande. Voilà, c'est cool, ça c'est de la cour, ça. Ça j'aime, c'est un truc là de fait. Regardez, maintenant je. Mets-toi à quatre pattes. Allez, monsieur, à vous. Mais si des canards homophobes, c'est des homophobes. Mais c'est pas être homosexuel de vouloir embrasser un ami. Je touche pas de mec, non, je touche pas de mec. Est-ce que l'homophobie est condamnée par la loi? Est-ce qu'il est vraiment joué une amende de 400 000 euros? Du quoi, c'est condamné par la loi, l'homophobie, quand même, c'est mes trop personnel, quand même. Non, pas du tout, c'est condamné par la loi, l'homophobie, vous êtes stupide, quoi. Allez, vous avez 3 secondes, sinon vous n'en faites pas pour son retour avant. C'est vrai. Oui, il est vraiment sérieux. Moi, je suis pas stupide, moi. Allez, des canards et des poutous, et je vais entendre des poutous, hein. Ouais, pas un peu d'amour, c'est messieurs. Je peux pas caler, c'est bon, je peux caler, c'est bon. Allez, messieurs, faites le premier pas parce que je le sens un petit peu coincé. Je sens que c'est très éclatant. Allez, un peu, c'est bon, mais qu'est-ce que j'ai pas caler, c'est bon. Regarde. Voilà, c'est bon, premier pas vers l'amour, messieurs dames. Bravo. On dirait les feux d'amour, quoi. Donc messieurs, vous êtes libres, bien entendu vous remarquerez que j'ai été extrêmement indulgent parce que d'habitude je suis pas très indulgent, vous avez joué le jeu avec moi, vous avez été sympatoche on va dire, on n'est pas potes de soirée pour autant, mais sachez que si je vous revois ici la prochaine fois ce sera votre fête, est-ce qu'on est bien d'accord? Ouais, bien d'accord, merci. Bah écoutez, merci à vous, vous êtes tous libres. Allez, moi je peux vous parler un peu, vous là. Le jugement est fini, messieurs. Allez. Bah, faut pas me parler. De... Pas de cours. Putain, je suis à moi là.